Ça a été un peu maigre en riz. Si en plus tu mets pas beaucoup de riz, alors là ça va être. Ça va être noyé. Ça va être noyé là. Rosanna Joson, je travaille pour Petit-Fils depuis un an à peu près. La cuisine, ça représente le foyer, le partage. L'auxiliaire de vie, parfois, elle est peut-être plus proche de la patiente ou la résidente que son infirmière. On cuisine pour eux et pour nous aussi. La cuisine, ça permet de rentrer en relation avec la personne aidée et puis ça débouche sur d'autres sujets après, bien souvent. C'est un échange, bien sûr, oui. Ce matin, j'ai appris plein de choses avec une dame de 79 ans. C'était super. Bonjour, Rosanna. Félicitations. Merci. Tu es finaliste. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. Je suis sûre que tu vas gagner. Moi aussi. J'ai hâte d'être sur place parce que je ne me rends pas trop compte comment ça va se dérouler. Est-ce qu'on va être les 12 personnes dans la cuisine au même moment? Est-ce que je vais bien couper? Est-ce que je vais bien mettre mon tablier? Est-ce que... Rosanna, pétillante, généreuse, sourire, toujours disponible et entièrement confiance en elle. Allez Rosanna, tu vas gagner. La maison, il n'y a pas toutes les caméras. Personnes, là. Oubliez-les. Non, dans 5 minutes, on y va. 5 secondes. Je vais vous préparer des crevettes à la crème, poivron rouge et vanille de Madagascar. On va peut-être les poêler avec la carapace, parce que ça va donner un bon goût. Oui. Et on va les décortiquer après. D'accord, hein? Bah parfait. Tout simplement. Avec l'huile d'olive qui est... Avec un peu d'huile d'olive. Voilà. Tout simplement, tu vas mettre un petit peu d'huile d'olive là-dedans. C'est des ingrédients que j'aime, moi, donc j'ai fait une association et je trouve que ça se marie très bien. J'ai pris ma vanille de Madagascar. Wow. C'est belle, hein? Oui. Oh. Ah oui, c'est oui, magnifique. Oui. Ah. J'en prends un ou deux kilos à chaque fois que j'y vais. Tu vas là-bas? Oui. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu de la vanille aussi belle. Hein? Oh. Ah oui, oui. Magnifique. Là, tu as mis les oignons, le poivron. Oui. Et après? Faire griller les amandes. Les faire torréfier? Voilà. Tu les fais torréfier quoi? Plutôt au four ou plutôt à la poêle? À la poêle. À la poêle aussi? Oui. J'avoue, je ne me suis pas entraînée, je le fais comme ça, quoi, sans suivre une recette. Et bon, je sais les quantités qu'il me faut. T'as goûté? Non, je n'ai pas goûté. Et ben alors? Tu vois, on sent la vanille, attends. Oui. Ah oui. Tu peux mettre un peu de sauce ici, là, le plus près possible de tes crevettes. Là, que ici. D'accord. Là, tu les mets que ici, là-dessus. Oui. Et par contre, là-haut, parce que je sais que tu voulais mettre ta petite ciboulette, tu en mets que là. D'accord. Comme ça, en fait, t'as un peu de couleurs différentes un peu partout, tu vois. C'est joli, hein. Rosanna, qu'est-ce que vous nous ramenez? Alors, ce sont des crevettes à la crème et au poivron rouge à la vanille de Madagascar. C'est vous qui l'avez inventée? Oui. Génial. Ouais, ouais. Rosanna, elle vous a mis les gousses de vanille ici. Rosanna, ils peuvent finir l'assiette? Ils veulent finir l'assiette? Ah ben, j'aimerais bien. voilà, elles ne veulent même pas nous en parler. Bon, en tous les cas, c'est une jolie décoration. Hein. Mais là, la vanille et la crevette, c'est génial. Le mariage est bon. Hyper intéressant, en fait. Vraiment, ça me rend envie d'en manger plus. Très bien.
Enfin, le mariage de la vanille avec la crevette, c'était très intéressant. C'était original. La présentation aussi. Très belle, très belle présentation. Ça donne envie de manger. Bravo en tout cas pour l'intention, pour la réalisation. Bah oui, la créativité pour la aussi. La recette. Génial. On a besoin de choses aussi comme ça pour rendre la vie un peu plus savoureuse. Ravie que ça vous ait plu et puis merci pour tous les compliments et de l'accueil. Merci et à de vous de nous avoir mis à l'aise. Bravo. Merci Rosanna, merci bien. T'as vu, c'est trop bon, t'as pas envie d'arrêter. C'est vraiment trop bon. Ça s'est bien passé, bonne ambiance, c'était détendu. Chacune à nos fourneaux a cédé ses besoins. Très très sympa. À refaire.